Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo haul action. Donc on commence sans plus attendre avec du masking tape. Donc il y a combien de rouleaux là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà. Donc il y en a du petit, du moyen et un grand. Si je vous montre comme ça, ça va peut-être mieux. Et comme si j'en avais pas assez, bah, un deuxième. Voilà, donc là c'est pareil, il y a petit, moyen et grand. Hop, j'ai trouvé ça. Donc bon, c'est pas top, je vais pas m'en servir pour faire des bijoux, ça va plutôt pour être sur des, pour mettre sur des créations, voilà, un décor, un truc pas intéressant, une recharge de d'escargot col. J'ai trouvé des petits tags comme ça. Alors ça en fait je les ai pas trouvés dans le rayon loisirs créatifs, mais dans le truc un peu fait emballage cadeau. Donc voilà. Donc je sais pas combien il y en a, 12, donc ouais il y en a 6 de chaque je pense, ouais, 6 de chaque, ouais, donc avec la petite cordelette, tout ça. J'ai pris des stickers 3D Mickey, il me semble que j'avais déjà acheté mais je sais plus, mais bon je vais en avoir besoin, donc comme ça au moins j'en aurai d'avance. J'ai trouvé ces stickers 3D avec des petits strass, un peu de feuilles. Voilà, j'hésitais à en prendre deux et bon, je me suis dit, voilà quoi. Ensuite, les stickers encore, j'ai trouvé des planches comme ceci. Donc là, avec plein de cupcakes. Voilà, donc c'est bien parce qu'ils sont quand même petits, donc on peut quand même caser un peu partout. Ceux-là, donc là en fait il y a un peu de tout, il y a guitare, appareil photo. Voilà. Et celui-ci avec des petits animaux. Donc voilà, il est enfantin, mais il est trop mignon, j'adore. La petite girafe, là. C'est trop chou. Et pour finir avec les stickers, en fait, j'ai trouvé ça. Ouais, des petits embellissements cadres un peu pailletés. Donc là, en argenté. En fait, ce qui est pas mal, c'est que la feuille derrière, il y a des trucs qui sont pas mal du tout, quoi. Les petits... Genre, le cactus, il est trop beau, même la tête de mort, c'est sympa. Donc, en fait, j'ai récupéré, j'ai découpé. Ensuite, en gris foncé noir. C'est pareil, le petit bulldog français est trop mignon. Voilà. Et en rose. Donc voilà pour ces petits stickers pailletés. Ensuite, je suis tombée sur les papillons. Donc ça faisait un petit bout de temps que je les voyais tourner sur YouTube. Et bon, c'est la première fois que je les vois. Donc j'ai pris les roses. Voilà, donc en fait on a tout ça dans le paquet. Voilà. Les oranges. Dans ce sens là et les beige crème, voilà. Donc en fait il y a plusieurs tailles, donc les grands, bon, je vais sûrement pas m'en servir en scrap parce que moi ils sont quand même
très grand. Vous voyez là, ça fait la longueur de... Voilà. Donc je vais voir. Ensuite, les nouveaux classeurs d'embossage. J'en voulais que deux, donc j'ai trouvé les deux que je voulais. Donc celui avec les cœurs et celui avec le cadre comme ça. Et donc en fait, dans cette nouvelle collection, vous avez tout ça comme modèle. Voilà, ils y étaient tous, mais bon, c'est les deux que je voulais, donc voilà. Alors, du stock aussi, un bloc de cardstock jaune et blanc, du papier photo, oups, aïe, et celui-ci, un rouleau comme ça de dentelle blanche. C'est dommage, il n'y avait que de la blanche. Et j'ai trouvé, alors il y a un petit bout de temps que je l'ai cherché, qu'ils étaient sortis quand même, les feutres à alcool métalliques. Donc j'en ai 4, donc je ne sais pas du tout ce que ça donne. On va faire un petit test. J'ai sorti un bout de papier, donc on va voir ce que ça donne. Ouais, on voit pas trop. Donc celui-là, c'est le noir métallique. Hop, on va ouvrir les autres. Alors là, on va tester le gris, enfin, le argenté et le doré. Ouais, c'est sympa. Ensuite, le Metallic Mint et le Metallic Silver. Il me semble que le Metallic Silver, on l'a... Ouais, on l'avait déjà avec... Oups. Avec un autre. Donc du coup, on va le garder de côté. Donc là, c'est le Metallic Mint. Et ensuite, le rose et le Metallic Yellow. Hop, on va tourner. En fait, ouais, je pense que c'est bien pour écrire, voilà. Mais pour colorier avec, ouais, je sais pas si... Je sais pas. Après, il faut voir. Donc voilà, les deux autres couleurs. Elles sont pas mal quand même. Donc bah, ce petit haul est terminé pour aujourd'hui, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.